Yo les refs, yo la famille, je vous annonce, il y a un nouveau truc qui est arrivé sur YouTube, là, un nouveau, tout nouveau truc qui vient d'arriver sur YouTube. C'est un bouton qui, c'est juste, là, qui s'appelle s'abonner, en gros. Et genre, si tu cliques dessus, tu peux suivre le contenu du mec régulièrement, que tu regardes les vidéos tous les jours ou quasiment. Et du coup, tu t'abonnes, du coup, ça le soutient. Et du coup, en même temps, ça permet que tu puisses voir ses recommandations et ses vidéos YouTube quand elles sortent. Et si en plus de ça, tu cliques sur la cloche, bah dans ce cas-là, tu vois ses vidéos tout le temps sur ton téléphone, t'as les notifications. Alors voilà, c'est un nouveau truc qui vient d'arriver, franchement, ça serait très cool. En plus de ça, je remarque qu'il y a 50% des gens qui ne le sont pas, hein, qui regardent les vidéos tous les jours, hein, bande de rats, hein, qui sont pas abonnés à ma chaîne YouTube. Donc voilà, si vous souhaitez le faire, c'est gratuit, hein, je vais pas vous mettre le couteau sous la gorge, mais presque. Non, je rigole. Allez, c'est parti, go! Je pense qu'il va être temps de reprendre un petit peu de service, les gars. Et salut à tous les frérots, salut à tous les gens. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo cheat code. Alors, vous avez peut-être vu de par l'espace communauté, de par mon compte Twitter, que j'avais commencé à tourner les cheat codes. Et j'ai notamment tourné une game qui sera à la fin de la vidéo, qui est juste complètement folle. Donc, évidemment, merci à tous ceux qui regardent cette vidéo. Vous connaissez le cheat code. On va pas traîner très longtemps avec l'introduction, juste pour vous dire que Goku est un excellent cheat code qui sous-main à 110% de dégâts, 110% d'enkai. De dégâts quand t'as un personnage Zenkai avec les stats de Zenkai et en plus ça avec deux caps de Zenkai, évidemment que ça va mettre des très gros dégâts dans une méta où il y a énormément de violets. Donc c'est tout simplement parfait et je pense qu'on ne devrait pas peiner et qu'on va surtout ne pas tarder pour aller chercher les games. En tout cas, encore une fois, je mets l'accent et merci à tous ceux qui follow la chaîne, c'est hyper important, c'est gratuit pour vous. Merci à vous également, ceux qui veulent en voir plus de ce Goku Super Saiyan là. Sachez que je suis quasiment tous les jours en live pour du Dragon Ball Legends ou pour d'autres jeux. Alors n'hésite pas, ça te prend 30 secondes avant de démarrer la vidéo. Prends ton temps, tu vas dans la description, tu cliques sur le lien Twitch et tu viens aussi follow Twitch. Donc voilà, merci à toi mec et c'est parti, vous connaissez Bardock, lunch, Bardock, Goku et après tout simplement destruction. Donc je vous souhaite un excellent cheat code à tous et c'est parti. SSJ versus cheat code les gars. Alors évidemment en dégâts purs on risque d'être meilleur malgré tout, mais nous c'est temporaire et lui c'est sur toute la game, donc c'est là où ça va être très compliqué. Malgré tout, en vrai, des bleus et des violets ça me va parfaitement. Moi, tant qu'il n'y a pas de personnage rouge ou des covers ou quoi, là il n'y a pas grand chose pour empêcher le combo. Alors juste faut faire gaffe aux covers, mais sinon mis à part ça c'est incroyable. A mis très longtemps à charger, mais la game... Ah ouais, ouais, d'accord. Je crois avoir compris. Alors, c'est peut-être pas sûr, hein. N'allons pas trop vite en besogne, mais je pense que j'ai peut-être compris pourquoi. Ok. T'as pas du tout en face. Bon, mec, t'es face à lunch. Est-ce que tu souhaites attaquer? Bon, bah... Bah ouais, mon ref, mais en même temps, t'attaques jamais, mec. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des mecs bizarres dans ce début de saison quand même des fois. Ok. Ok. Main ulti? Main ulti? Ok. Ok, ça c'est fait. D'accord. Sympa les dégâts. Ok, j'aurais one tap, j'aurais bien mieux géré ça. Allez. Au bout d'un moment, faut pas abuser, mec, en face. Je suis désolé, les gars, si je dis rien, mais bon. Je comprends pas comment ça joue en face. Ok, bon, allez, Rising Rush. Ok, et si Rising Rush passe, bah, on va aller s'imposer. Hein. C'est sympa, les dégâts qu'on a mis ici sur... c'est n'importe quoi, sur son SV. Bon, en vrai, on tue même pas. La vérité, c'est qu'on tue même pas. Et en plus, ça, on se fait contrer, d'accord. Bon, en face, le mec, il a tout pour lui. Donc il a mis 8 ans à charger sa game, il a pas attaqué de la game et derrière il lag en plus de ça, donc ouais il a la. Il a la totale, on va pas. Voilà. Il a la totale.
Et ouais mon gars. Et là on va aller punir ça avec Bardock. En tout cas on va essayer. Mais je pense qu'on a le kill hein. Bardock ici là. Ouais mais Bardock avec la mort de... Oh là 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 là. Bardock avec la mort du Goku, c'est juste une stupidité. C'est une stupidité. Allez, let's go. Bon bah la spé sur SV était plutôt sympa. On a mis une spé et tout et on a quasiment tué. Donc voilà. C'est trop fort hein, vraiment, il fait vraiment trop trop mal. Vu à la vitesse où il a piqué ses persos les gars, il a pris les 3 premiers. Et dans les 3 premiers, vous voyez un tag 3 étoiles, ok. Ah non. Allez, c'est parti les frères. Ok, on va se dire. Waouh. C'est une bonne idée. Vaut mieux pas se faire toucher là. Vaut mieux qu'il se fasse pas toucher là-dessus. Ok. Je lui conseille, hein. Je lui conseille. Bon, ça en vrai, c'est chiant par contre. Parce que là, du coup, ok. Il va bientôt pouvoir switcher sur le tag. Là, ce qu'on va faire en vrai, c'est que je vais pas main tout de suite. Bon, quoi que, allez. En vrai, c'est gratuit. Ok. Dispel qui vient maintenant, c'est parfait pour moi. Ok. Très 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 carré, on n'a pas généré la verte de lunch les gars. On n'a pas généré la verte de lunch hein. On n'oublie pas. Donc si on peut le faire ça pourrait être très cool. Ok. Il va switcher sur le tag les gars. Il va switcher sur le tag donc là on va se retrouver vite sur du contre-type hein, avec le Goku. Ok, on va perfect dodge là, je pense. Hein. Oh, c'est trop fort. Oh, bah là. Je pense que là, on est d'accord. Là aussi. Heureusement, mon frérot, que tu l'as esquivé celle-là parce qu'elle t'aurait certainement fait extrêmement mal aux dents. Hein. Oh, je sais ce qu'on va faire. Oh, ça va être trop fort. Oh, sinon Rising Rush, comment c'est trop fort. Vas-y, RR. Oh, il peut dé... On peut déjà cheat code. Oh, c'est trop fort en fait, en cheat code. J'avais pas pensé ça. Oh, comment c'est trop fort. Là, faut pas qu'on contre. Oh, mais comment c'est trop fort. Comment c'est trop trop fort. Oh, bordel. Parce que là, du coup, on peut remettre Goku direct. Il va dispel. Voilà, il va dispel. Donc là, c'est mort. Mais c'est pas grave. En France, c'est juste pour vous montrer en fait. Parce que là, on tombe face à un cas spécial. C'est SV, mais... Ce que dire par là, c'est que... Ouais, voilà, c'était fini. Puissance 1 million, mais... Ok, j'ai voulu qui quoi. J'aurais peut-être plutôt du Rising Rush là-dessus. Et ouais, non, mais là... On va mettre Bardock. Bon, ouais, on a le kill, mais... Oh là là, c'est trop fort. C'est ultra fort. C'est... Ça, c'est vraiment mes God tier. C'est God tier de pouvoir... En fait, tu peux cheat code plusieurs fois. Genre, souvent, le max que j'arrive, c'est 2 fois. Voire 3 fois dans cette... Là je peux faire 3 fois mais beaucoup plus souvent parce que du coup si j'arrive à refaire venir Bardock au meilleur moment, derrière je suis sûr il va vouloir me Rising Rush Bardock, je donne lunch, je reviens sur Bardock et là Goku il sera là. Et là c'est si tu peux cheat code à l'infini comme ça devient pété. Ok, pas de problème. Allez, rejoins le clan là, ils sont tous là-bas là, ils t'attendent, ils sont assis tranquillement sur leur chaise, ils viennent de prendre voilà. T'inquiète pas, mon frère Suleiman, je te réserve une chaise. Allez, c'est parti. Pas de verre, dommage. Ok, le crit t'es pas obligé. Le crit t'es pas obligé, t'es pas SSJ. Par contre, en vrai de vrai, il va mettre l'aspect en fin de combo et c'est pas hyper grave parce que du coup, ça va détruire nos Dragon Ball et. Enfin, nos Dragon Ball, non. J'en ai pas beaucoup, mais. Ok. Carré. Parfait. Maintenant, faut qu'il enchaîne les cartes. Oh, ça, là on est bien. Ok. On va break ici. D'accord. Bah y'a pas de problème. En effet, valait mieux esquiver ce qui vient de se passer. En effet, oui, valait mieux esquiver. Je suis d'accord avec toi, ouais, t'as bien fait d'esquiver.
Bon, ce qui est sûr, c'est que là par contre, on est dans la merde parce que du coup, on l'a pas touché deux fois. On aurait peut-être dû être plus patient, mais en fait, j'ai été pas assez patient parce que j'avais que des kikos en main. Alors, j'aurais une strike, j'aurais été bien plus patient, je pense. Ok, allez, c'est parti. Lunch la goat ne va pas se faire stun évidemment parce que Lunch est le goat de ce jeu. Donc, Lunch ne se fait pas stun, c'est impossible, ça n'existe pas dans le monde. Voilà, Lunch est nul. Lunch, elle est dans une autre planète, les gars. Vous pouvez pas tester. J'aurais fait d'avoir full kiko dans la main. Ok. Ok. Merci. Ulti. On a plus qu'un Rising Rush. Bon, on va peut-être. Oh là 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 là, Goku. Mais. Même quand il n'y a plus rien. Ouais, bon, bah voilà. Même quand il n'y a plus rien. Allez, mon frérot, merci de passer. Allez, la porte est ouverte. Ok, ok, Team Fusion en face. Donc, Team Fusion, moi, ça me convient évidemment bien. Ça me convient bien. C'est pas la folie. Et on a vu largement mieux, évidemment. Mais Fusion, ça me convient bien parce que je suis vraiment pas sûr ici qu'ils prennent Gogeta rouge. Sachant que même si j'ai des jaunes, on a quand même deux très gros personnages bleus. Allez, c'est parti. Évidemment qu'il a pris Gogeta Ultra, c'est tout à fait normal. Et derrière, c'est plutôt cool en vrai. Je me jette complet. Oh, dommage parce qu'il avait attendu au final alors que c'était pas utile. Oh, c'est mal joué de ma part. C'est super mal joué parce qu'en vrai de vrai, j'ai la verte. Donc c'est mal joué, mais bon, c'est pas grave. Il va aller chercher l'aspect ici, je pense. Qui va la faire sur Gogeta, avec Gogeta 4? Ça pourrait être bien pour moi, ça m'éviterait qu'il me détruise ma verte. Waouh! Stop! Mais stop, Gogeta, stop au bout d'un moment. C'est un peu perfect dodge ici. Hein. C'est un peu perfect dodge encore. Ça y est. On va break. Ok, on tape dans la première cover de Gogeta 4. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème, Goku. Ok, bon bah c'est complètement pété. Voilà, c'est complètement pété. Hein, faut dire ce qu'il y a au bout d'un moment. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est... Pourquoi j'ai créé ce concept? Oh, le cheat code, les gars, c'est un délire. Je suis trop content parce que là, au moment où je le tourne, vous verrez la vidéo après. Mais je suis sûr que vous êtes en mode waouh, c'est quoi ce délire? Et oui, oui, vous avez raison. Mais c'est quoi ce délire? Putain, c'est quoi ce délire? Ça passe pas, ça. Ça passe pas, mon ami. Ok, on met Goku ici. Voilà, parfait, parfait. Moi, si tu veux me tuer, tu me tueras Goku et Bardock derrière, il va être safe. Et juste, voilà, il a une verte en plus, donc au moins j'ai aucun regret. Parce qu'il aurait forcément cassé mon cheat code, donc voilà. Lunch, elle va tuer Gogeta. Elle le tuera Gogeta en deux strikes. Pas du tout, évidemment, mais. Ok, c'est pas grave, on n'a pas peur, les gars. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, Bardock va le one combo. Donc faut pas avoir peur. Bardock, avec vitesse de pioche plus 2, il one combo toute la terre. Donc... Ok, donc là c'est one shot et maintenant bah c'est à nous de jouer et en vrai il nous manque une strike et après si là tant pis on perd hein mais ouais on a... le problème c'est qu'on a trop de kiko dans la main. Allez voilà. Bon vous avez vu l'énorme dégâts de Bardock ici, c'est nimp mais du coup ah dommage. C'est dommage en vrai parce que j'avais trop de kiko dans ma main, j'avais 4 kiko donc j'étais obligé de m'en débarrasser. Derrière un pas de côté je pense qu'il m'aurait peut-être RR donc c'est pas grave. On la perd ici les gars, bon c'est juste absurde. Je vous laisse avec une dernière game que j'ai tournée en off qui est pareil aussi absurde, donc bah voilà, j'espère que sincèrement cette vidéo les gars elle vous aura plu, ce cheat code vous aura plu, il aurait été encore une fois vraiment vraiment complètement stupide et on se dit à tous à très très vite pour de nouveaux cheat codes. Si vous avez d'autres idées toujours l'espace commentaire libre à vous et c'est parti, allez dernière game. ハッ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 ハ
敵が違うんだよ。